Aujourd'hui, il y a très très peu de musiciens stars qui finalement ont inscrit leur nom comme ça au palmarès de la chanson ou de la musique. Jean-Pierre fait partie de ces musiciens qui ont une qualité de jeu, une qualité d'interprétation, une qualité d'écoute suffisamment forte pour être demandé à l'étranger. L'un des rares artistes français à être entré au top des ventes de plus de 35 pays, dont les États-Unis, où il s'est plusieurs fois classé dans les hit-parades d'iTunes, mais surtout au prestigieux classement du Billboard avec son titre « The Pink Side of Miss Daisy ». Ma maison de disques me disait « son disque marche très bien ». Donc voilà, j'étais heureux parce que bon, voilà, c'est bien, c'est sympa, quoi. C'est un peu la famille. Et quelque chose qui m'impressionne, c'est la façon dont il monte les notes avec le vibrato. Et c'est pas facile à manier, quoi. Jean-Pierre le fait vraiment très bien. Lorsque sort Guitar Connection de Jean-Pierre Danel, c'est la première fois en France qu'un album de cette catégorie est numéro 1 au top des ventes, c'est-à-dire top 50 des charts. Dans tous les pays où j'ai mis les pieds, on me parle de Jean-Pierre. Il a une très 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 grande cote et les gens l'aiment beaucoup et voient tous les disques, tous les prix, tous les disques d'or, etc. Et j'étais complètement estomaqué qu'un garçon joue avec un tel feeling, un tel doigté, le grand guitariste, sinon le plus grand à mon avis, en France. Il faut quand même dire que vous êtes un des grands guitaristes de cette planète. Hello JP, Brian here. Just wanted to add my congratulations for your amazing, quintessentially classic guitar tones as found on this epic performance. Hi Jean-Pierre, this is Hank Marvin calling. Your concert in your loft. Love those numbers you were doing. J'ai passé un tel moment exceptionnel avec toi sur scène. On recommence quand ? Je suis très fier. C'est tout un parcours que Jean-Pierre a. Et les gens ne le savent pas. Il ne se met pas devant sur la photo. Peu de personnes peuvent imaginer que ce garçon est un des plus gros producteurs privés de France. Il suffit de rentrer dans son bureau, il y a des disques d'or partout, mais il y en a même des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Jean-Pierre, aujourd'hui, fait partie des figures qui ont marqué la production d'albums cultes, puisqu'il a travaillé avec énormément d'artistes. Le 15 mai 2014, Jean-Pierre Danel a reçu chez Sony Music un multidisque de diamant pour ses 25 ans de carrière de producteur, 191 disques d'or et platine et 23 300 000 disques vendus dans le monde. Ça, c'est une performance, ce sont souvent les chiffres qui confirment le succès et surtout les carrières. C'est une sorte d'alchimiste, il prend du plomb et le transforme en or.